Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution de cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai regardé une vidéo où on montrait le centre-ville de la capitale du Congo, Kinshasa, notamment le grand quartier qu'on appelle Ngombe, qui est aujourd'hui occupé. Occupé par les Libanais, par les Chinois, par les étrangers qui viennent de tous bords. Ce sont eux qui construisent des grosses villas et personne ne pourra y habiter parce que ça coûte trop cher. Les populations de Ngombe sont obligées de déménager, d'émigrer, d'aller dans la périphérie de Kinshasa ou dans d'autres quartiers plus pauvres. Ce phénomène-là, je l'ai déjà dénoncé au Congo-Brazzaville, où, lorsque j'étais à Pointe-Noire, j'ai constaté, malheureusement, que le centre-ville de Pointe-Noire appartient aux Libanais. Vous avez quelques petits magasins, des Africains, des Congolais, des Camerounais et autres, mais ils louent chez des Libanais, les Africains qui sont locataires chez eux en Afrique. Parce que il y a des gouvernements qui abusent, qui vendent à tout prix, qui appauvrissent leur propre population et donc laissent les étrangers qui ont un peu d'argent venir acheter ce qui nous reste. Ce qui nous reste, c'est nos terres. Le plus important, la chose la plus importante qui nous reste là, ce sont nos terres. Et ils viennent, ils prennent, ils nous chassent. Ils bâtissent de grandes villas où nous, on ne pourra jamais y habiter parce qu'on n'a pas les moyens. Et les enfants des dirigeants, eux, ils ont leur petite villa à côté et ils se disent qu'eux, ils sont en sécurité. C'est là mon vrai point de vue. Je veux faire deux remarques. D'abord, la première, c'est que les gens qui disent « nous n'avons pas affaire à des populations », par exemple aux Français, aux Américains, aux Chinois, aux Turcs, aux Libanais, mais nous avons affaire aux dirigeants. Voyez, les dirigeants de ces pays, les dirigeants français là, quand ils travaillent, c'est pour la population française. Et la population française, croyez-moi, elle est au courant de tout ce qui se passe. Elle sait que nous vivons ici parce que là-bas, les pauvres noirs souffrent.
Parce qu'on va, on prend chez eux, on amène ici, et ça fait que ça nous permet, nous, de vivre dans l'opulence. Jacques Chirac l'a dit. Beaucoup. Peut-être pas tout. Mais l'essentiel de vos richesses, là, ce qu'il y a dans vos portefeuilles, là, ça vient du pillage de l'Afrique. Jacques Chirac, ancien président français qui est déjà mort. Donc, quand les Africains disent, nous, on n'a pas affaire à la population, nous, on a affaire à l'Orient, ça, c'est la flatterie. C'est la peur. Parce qu'ils ont peur de s'adresser, puis on va leur traiter de racistes. Parce que dès que vous dites ça, on va vous dire, traiter de racistes. Les Blancs vont vous traiter de racistes. Ils vont dire que vous, vous êtes raciste. Alors que c'est pas le racisme. C'est la protection de ce qui vous appartient, ce qui est à vous. Vous avez l'obligation de le faire. Vous savez, quand vous discutez avec certains Noirs ici, ils vont vous dire que, mais écoutez, les Noirs américains, bien sûr, ils vont vous dire que les grands-parents, vos grands-parents, n'ont rien fait pour protéger les nôtres. Ils les ont laissés partir. C'est aussi simple, ouais. Donc, cette idée de dire que nous avons affaire à l'oligarchie, à la classe dirigeante, nous n'avons pas affaire à la population, c'est une idée de peur, de trouille. Ce sont des gens qui n'ont pas les couilles solides, qui ne sont pas capables, qui ont peur de prendre leurs responsabilités. Parce que, après tout, ceux qui dirigent viennent de la société civile. C'est-à-dire, ils sont nés, ils ont grandi, ils ont été éduqués par leur père, leur mère, et ce sont eux-là qui les ont appris comment il faut faire, et au fur et à mesure, et quand ils arrivent au pouvoir, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Donc, vous devrez continuer ce que l'État a déjà commencé. C'est pour ça que vous voyez que un type comme Barack Obama, un noir, qui arrive au pouvoir, on lui transmet le dossier, on lui dit, il faut faire ça. Et il continue à faire ce qu'il faut faire des Noirs, c'est-à-dire les maltraiter, alors que lui-même, il est noir. Donc, notre problème, ce n'est pas seulement avec les leaders, mais c'est avec la population. Parce qu'après tout, lorsque nous souffrons, lorsque nous mourons, lorsque nous pleurons les nôtres, eux là-bas, ils dorment tranquilles, avec nos biens. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, c'est que la deuxième remarque, c'est que les dirigeants qui se lancent dans ce genre de comportement oublient que eux aussi, ils ont des enfants et des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui vont venir. Si ceux qui sont là en ce moment, qui sont au pouvoir, ils peuvent transmettre leurs biens et le pouvoir à leurs enfants, leurs petits-enfants, ce n'est pas sûr qu'ils vont réussir à le faire. Parce que à la vitesse où les choses se passent, à la vitesse où ces pays-là sont en train d'occuper l'Afrique, où les Chinois sont en train d'envahir l'Afrique, où les Indiens sont en train d'envahir l'Afrique, où les Libanais sont en train d'envahir l'Afrique. Alors que quand vous allez en Inde, vous allez voir comment on torture les Noirs. Vous allez au Liban, vous allez voir comment on torture les Noirs. Vous allez en Chine, vous allez voir comment on torture les Noirs. Un Noir ne peut même pas prendre un taxi en Chine. Ce n'est pas évident pour lui. Mais il y a un principe de réciprocité quand même. Mais eux, chez nous, ils peuvent acheter des hectares et des hectares, construire des villas, des châteaux. Ils viennent en masse, ils travaillent, ils vivent tranquillement. Ils créent des emplois pour leurs ressortissants qui viennent, qui n'ont même pas de niveau, qui n'ont rien fait. Et nous qui avions étudié, nos leaders, nos dirigeants nous abandonnent. On nous abandonne dans cette misère au profit de ces gens-là. Mais cette vitesse à laquelle ils sont en train d'occuper l'Afrique, là, dans 10, 20 ans, ils seront, s'ils ne sont pas majoritaires, ils auront tellement de pouvoir parce qu'ils ont de l'argent que ce sont eux qui vont même prendre le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont aussi acheter auprès d'eux. Ils vont acheter ce qui appartient aux enfants des leaders qui sont là au pouvoir actuellement. Je répète. Ils vont finir par acheter ou arracher
aux enfants de ceux qui sont au pouvoir là, ils vont leur prendre ce qui leur appartient. Et ils vont acheter le pouvoir. Ils vont acheter des voix. Parce que les gens seront tellement pauvres et eux, ils seront tellement trop riches pour qu'ils puissent acheter les voix et gérer maintenant le pays pour que le pays puisse complètement appartenir aux Chinois, aux Libanais, aux Indiens, plus aux Africains. Et ils vont changer l'histoire comme ils ont changé l'histoire de l'Égypte. Vous savez, les Arabes disent que les pyramides là, c'est eux qui ont, c'est leurs parents qui ont fait fabriquer ça. C'est l'œuvre, la culture arabe. Osiris était arabe. Horus était arabe. Isis était arabe. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils revendiquent. Leurs égyptologues disent qu'il n'y avait pas de noir ici. Il n'y avait pas de corps. C'est nous. Puisque c'est nous qui sommes là. Voilà le risque que nos dirigeants sont en train de faire courir à l'Afrique, au noir. Nous allons être là, on va errer. On n'a pas de place en Europe, on nous chasse. Aux États-Unis, on nous chasse. Ils ont pris toutes nos matières premières. Ils ont tout, ils gouvernent et ils font de nous ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils feront, c'est nous faire disparaître. Nous faire disparaître. Pourquoi ? À cause de la bêtise, à cause de l'ignominie, à cause de l'arrogance, à cause de la jalousie, à cause de la haine du noir contre le noir. Un dirigeant noir qui préfère voir les autres, d'autres races venir s'enrichir chez nous, et lui, entre-temps, il est en train d'appauvrir sa population, pour que sa population puisse dépendre de lui et être là toujours à l'acclamer quand il veut continuer à garder le pouvoir avec lui. Ça se passera dans tous les pays d'Afrique. Pas seulement au Congo démocratique ou au Congo Brazzaville, même au Gabon, au Cameroun et partout ailleurs. Et là, il faudrait des milliers d'années pour pouvoir espérer retrouver un peu de dignité. C'est ça qui est terrible, que nos dirigeants ne voient pas les conséquences aujourd'hui. Macky Sall a construit des bâtiments, des gros villas, des hôtels et autres. Combien de Sénégalais, notamment des Sénégalais moyens, peuvent aller vivre dans ces hôtels? À quoi ça sert de construire des hôtels, des châteaux et autres pour que les étrangers viennent habiter chez vous? À quoi ça sert? Ça vous apporte quoi? Pour qu'on dise que vous êtes qui? Vous êtes humaniste? Mais nous, on a fait l'humanisme. Nos ancêtres ont fait ça. Et où est-ce que ça les a amenés? 7 siècles d'esclavage arabo-musulman. 4 siècles d'esclavage blanc européen. Et 1 siècle de colonisation. 1 demi-siècle de néocolonisation ou recolonisation. Voilà ce que le résultat que nous avons obtenu. Voilà le résultat que nos ancêtres nous ont légué. La misère, l'esclavage, la colonisation, la souffrance. Parce qu'ils avaient été généreux. Parce qu'ils avaient été trop gentils. Parce qu'ils avaient toujours montré leurs dents à ces mêmes bourreaux, à leurs bourreaux. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. J'ai vu en Haïti, j'étais en Haïti. J'ai travaillé pour les Nations Unies pendant 5 ans en Haïti. Je vous garantis, en Haïti, là, si ce n'est pas un Libanais qui a le pouvoir, il n'y a pas de paix. Si ce n'est pas un descendant des Libanais ou des Blancs qui a le pouvoir, il ne peut pas s'en. Vous avez vu Moïse Juvenel? On l'a assassiné là. Par qui? Et pourquoi? Par les mêmes. Parce que, d'abord, parce qu'il est noir. Martelly était là, 5 ans. Il n'a rien foutu. Un escroc. Un maître, un gang. Ou plutôt gangster. On l'a soutenu parce que il est descendant de Libanais et autres.
Voilà ce qui se passe. Le grand problème en Haïti, c'est ça. Quand un noir prend le pouvoir en Haïti, c'est très, très difficile pour lui de terminer son mandat. Il a tous les problèmes du monde. Et c'est ce qui va arriver à l'Afrique. Où un Africain, un noir, ne pourra plus gérer l'Afrique. Regardez en Afrique du Sud. Ils ont le pouvoir économique est dans les mains des Blancs. Et ils peuvent faire ce qu'ils... Ils peuvent paralyser le pays. Ils peuvent paralyser l'économie du pays. Ah oui. Parce qu'ils ont le pouvoir. Parce qu'ils ont l'argent. Et nous, c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut prendre des dispositions pour préserver les générations futures de cet inconvénient, de cette barbarie, de cette humilité en plus, de cette colonisation qu'on peut normalement éviter si on peut prendre nos responsabilités dès maintenant. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Encore, je dis non. Permettez-moi de vous dire une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes. Tous ceux qui distribuent nos terres à des étrangers. Parce qu'en ce moment, nous n'avons pas les moyens. Ce sont eux qui ont les moyens, qui viennent, qui achètent auprès des dirigeants corrompus. Qu'ils soient maudits, qu'ils soient punis, qu'ils soient foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.